Un grand, grand classique de C'est la sûr. magie. Ah, c'est un truc, mais vraiment. Mais revisité comme l'avait revisité. C'est Marlowe, je crois. C'est assez sympa. Tiens, Zibé, puisque tu as. Moi et en face, plutôt. Tiens, mélange. Non, d'ailleurs, tiens, avant que tu mélanges, je vais le faire avant, parce qu'on pourrait dire. Avant que tu mélanges, je vais sortir une prédiction. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais sortir une prédiction. Alors, c'est vrai que j'ai pas de poche, c'est pas grave, mais je vais la mettre là, d'accord? Sous le tapis. Et maintenant, tu peux mélanger. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que là, j'ai rien. Donc là, rappelez-vous bien, j'ai sorti une carte avant que le tour commence, d'accord? Voilà, mais normalement, je vais regarder, mais au moins est-ce que j'en sors une autre? Normalement, c'est bon. Ouais. Allez, on va garder ça là. Ok? Allez. Alors, Zibé, tiens, ce que je vais te demander, c'est très simple. Je vais me retourner quand tu vas le faire. Tu vas penser à une heure. Tu vas imaginer un cadran entre 1 et 12. Imagine si tu penses 2 heures, tu prendras du dessus du jeu 2 cartes et tu les mettras dans ta poche. Si tu penses 3 cartes, tu penses 12 cartes, et ainsi de suite. Ok? Je te laisse faire. Prends-les sans que je puisse entendre. Donc tu prends un nombre de cartes qui correspond à une heure que tu vas penser. Je te laisse faire. C'est bon. Ça y est? Attends. C'est bon. C'est bon? Yes. Et tu les ranges, tu les On caches. Ça va se ranger. Voilà. Donc c'est pour ça que. Tu es d'accord avec moi que maintenant, le seul moyen de savoir le nombre que tu as pris, c'est que je compte les 52 cartes. Mais si je les compte pas, c'est impossible. Même en connaissant une carte quelque part dans le jeu, ça ne me dit rien puisque le jeu a été mélangé. Et ma prédiction, rappelez-vous, a été sortie avant que tu choisisses ton heure. Okay? Donc, dans ton cadran, il y a forcément 12 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, Zibé, je vais former une horloge, qui est le fameux tour de l'horloge. Et c'est très simple, donc on va faire comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va se mettre comme ça, hein, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on va la mettre là, hein, on ne se trompe pas, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et minuit, midi. Ok? 12 heures plutôt. Alors, je fais pas un rond, parce parfois il y a beaucoup de gens qui se trompent. Donc, c'est bien 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi. Je vais me retourner. Donc, imagine, tu as choisi 3 heures, tu feras 1, 2, 3, tu mettras la 3 au milieu. Tous les autres, tu les ramasses et tu les gardes ou tu les mets dans le jeu et tu mélanges. D'accord? Tu fais comme tu veux. Allez, je te laisse faire. Donc, automatiquement, tu vas tomber sur une carte que je ne connais pas, puisque ton heure est vraiment, tu l'as fait de penser, aléatoire. Tu la laisses au milieu du tapis. Toutes les autres cartes, tu peux les mélanger, même les examiner pour prouver qu'il n'y a aucun montage particulier dans le jeu. Et si tu veux en même temps mélanger avec le reste des cartes, tu peux, il n'y a aucun souci. Qu'on ne pourrait pas dire qu'il y avait une carte qui me donnait la position de ta carte, ainsi de suite. C'est bon? Oui, c'est ça. Par contre, il reste une carte sur le tapis. Ah, oui. Pour pas qu'on puisse penser que j'ai fait tout ça alors que j'utilisais un jeu où je pouvais peut-être voir quelque chose, tu ramasses ta carte. Voilà, tu t'en souviens. Et tu la mets dans ta poche. Voilà, au moins comme ça on est sûr. C'est bon? Ouais. Je peux revenir, on voit plus rien, il n'y a plus rien sur la table? Pas de soucis. Allez, super. Donc, tu as fait ce que je t'ai dit, automatiquement tu es tombé sur une carte. Normalement, tu ne devrais pas avoir les jokers. Ouais, non, tu ne devrais pas avoir les jokers. Donc, tu vas te concentrer mentalement sur l'heure que tu as choisie. Et moi, je vais t'énumérer les heures. Et au moment où je vais arriver sur ton heure que tu as choisie, mentalement, tu m'enverras l'image de ta carte. Ok? En faisant un clin d'œil ou... Ah, non! Parce que si tu fais une clin d'œil à 3 heures, je sais que c'est 3 heures. Ah oui, d'accord. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Difficile. Difficile, difficile. Je vois une carte rouge quand même, à une heure bien spécifique. Une carte rouge et même plus précisément une carte à cœur. Ouais. Une carte à figure. Et pour pas faire durer le suspense,
la carte qui vaut 11, le valet de cœur. C'est exact ? Yes. Avec un petit peu de chance, tu avais combien d'heures, au fait ? C'était quelle heure que tu avais joué ? Ah, 5. T'imagines quand même que depuis le départ, j'avais sorti une prédiction. Ça, vous vous rappelez de ça ? Mm-hmm. Imaginez, alors ça serait fort que si t'es pensé à 9h, imagine que sous le tapis, j'ai mis un 9. Très beau. Ça serait quand même fort. Il se verrait. Ouais, j'ai mis un valet. Il se verrait si t'avais mis un 9. Il se verrait. Mais rappelez-vous que je l'ai fait depuis le départ. Tu as pensé à quelle heure déjà ? 5 heures. Pour prouver que je n'ai rien d'autre. Et une seule carte sous le tapis. Zibé, pour la première fois, je connaissais ta carte. Mais je savais déjà l'heure à laquelle tu avais pensé. Parce que j'avais prévu que tu avais pensé à 5 heures. Ah. Oh.